qu'on a bénéficié d'un super coup de pub, un coup de projecteur inespéré avec la mise en avant de la lentilleur du puits dans le menu du prince Georges le jour de sa rentrée. Pour nous, ça a fait un super buzz qu'on a alimenté mais qu'on a poussé aussi à travers le monde, à travers près de 175 articles, 10 télé, 25 radios sur ce sujet-là. Ça a permis de multiplier nos ventes en Angleterre, mais pas que. L'entreprise Sabaro-Wessner connaît une croissance régulière depuis plus de 10 ans, de l'ordre de 10 à 15% par an. Après une première extension, une deuxième extension, une troisième extension, on attaque la quatrième extension ici sur la zone d'activité de Chasse-Puzac. Poursuit tout simplement la croissance de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires sur nos marchés de légumes secs, céréales, champignons et escargots. Une nouvelle activité qui va être dédiée uniquement à la production, mais également compléter nos capacités de stockage. Aujourd'hui, nous, on est très attachés à notre territoire. Moi, je suis né au Puy et forcément, j'ai envie d'investir au Puy parce que j'aime ma région. Donc forcément, de voir aujourd'hui mon territoire dynamique, et notamment avec l'arrivée du contournement, l'embellie de la ville, une agglomération assez dynamique, forcément, on a envie de continuer à investir dans la région. Et aussi parce qu'on a du personnel très compétent en Haute-Loire. On a des gens qui sont très investis, qui aiment bosser et c'est une force pour notre entreprise d'être établie ici.